Est-ce que vous savez que vous donnez de la contenance à cette cinglée-là? Je vous dis une vérité aujourd'hui. Est-ce que vous savez que vous donnez de la contenance à cette cinglée, cette malade mentale? Je vous explique. Du moment où vous partez faire des recherches sur son livre pour savoir si c'est réel ou pas, vous faites de la publicité gratuite. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs. Vous pensez que vous cassez papa, mais vous lui faites de la publicité gratuite. Vous ne pouvez pas voir cette cinglée-là vue et ignorée. Vous ne pouvez pas voir cette malade mentale vue et ignorée. Vous partez faire des recherches sur son livre-là, c'est pourquoi? C'est pas papa, vous cassez. Yeli, comment tu vas? Merci Colette. Travaillez un peu avec ça là. Moi, sans que tu me vois pas, tu es parti faire recherche sur les personnes. Si elle brûlait sur toi là, laisse ça la maman, Naomi, vous ne dévoilez pas. Oui, on sait que le livre ne se paye pas. Mais qu'on va te faire des recherches. Quand on va te faire des recherches sur ces personnes, moi, si tout le monde avait moi ma manière de voir les choses, quoi. Il y a des gens que, quand il y a un problème sur eux, tu t'assois, tu parles. Vous comprenez? Mais vous savez très bien qu'avec des métaphysiques, ça ne va pas aller au tribunal. Ça ne va pas aller au tribunal. Ça veut dire que ce livre-là, toujours on parle de ça. Toujours on parle de ce livre-là. Vous ne pouvez pas faire vu ignorer. Le temps vous prenez pour chercher les recherches sur le livre de cette cinglée là-haut. Vous ne pouvez pas prendre ce temps-là. Faire la petite de livre de votre soeur. Vous faites quel bon, vous faites, vous avez quoi foutre? Si elle veut, elle n'a qu'à écrire livre, elle n'a qu'à écrire Bible, elle n'a qu'à écrire roman, elle n'a qu'à écrire Coran, ça c'est elle qui voit. Une autre, elle a désigné comme grande écrivaine interplanétaire. C'est elle qui voit. Parce que ce livre-là, il y a plusieurs exemplaires, Yann Ivan. Tu comprends? Ce livre-là, il y a plusieurs exemplaires avec le même symbole. Si vous écoutez ce que je dis et que vous ne regardez pas ma grosse gueule là, ça va être bien. Si vous m'écoutez et que vous n'écoutez pas ma vilaine gueule là, ça va être trop bien. Prenez le livre de votre soeur. Boostez ça sur toutes les pages. Parlez de son livre. Moi, je n'avais pas encore le temps même. Je veux commander ma part. Le livre de Eka. Je suis quelqu'un, il n'aime pas lire. Mais juste pour la soutenir là, je vais payer le livre. On dit, on trouve ça sur Amazon ou bien quoi là. Je vais payer. Mon problème est que ici où je suis là, il n'est pas encore ma propre domiciliation parce que j'ai quitté où j'habitais. Je suis venu à Paris. Donc, Paris, là, je suis dans le privé. Donc, je n'ai pas d'adresse fixe à mon nom. Vous comprenez? Je n'ai pas encore une adresse à mon nom, mais ma soeur, où je passe beaucoup de temps, elle a son adresse. Donc, je vais essayer de voir aujourd'hui, là. Je vais me promener. C'est sûr. On trouve le livre, là, sur Amazon, non, famille. Écrivez mon commentaire. Et essayez de payer juste pour la soutenir. Moi, je n'ai pas le temps de lire. Moi, je ne lis pas. Moi, je ne lis pas. Il n'y a pas le temps. On lit, il y a quoi? Mais je vais payer ça pour la soutenir. C'est ça. Sur Amazon. Ok, je vais regarder sur le truc d'Amazon aujourd'hui. Moi, je n'ai pas Amazon. Mais je vais voir ma copine, là, comme elle est sortie, qu'elle va rentrer. Elle va me donner son téléphone. Elle doit avoir Amazon. Ou je vais télécharger Amazon. Parce que moi, je n'ai pas Amazon. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, là, laissez Fenac. Ça, c'est qui encore? Moi, c'est où on paye Abby, là, moi, je connais. Tout ce que tu as dit, là, papa. Moi, je ne connais pas où. Moi, que tu vois, j'ai une vraie gawaz interplanétaire. Amazon à 14. Ok. On a mis à nu. Ok. Il va commander ma part.
Donc, concentrez-vous à faire la pub de votre soeur. Laissez ce groupe de tarés là. Ceux-là, c'est des malades mentales. Quel manteau est, quel mental est. Ils se sont mis quelque chose dans la tête que vous ne pouvez pas enlever. Même les librairies françaises. Ah bon, dans les librairies, ici, on en trouve. Ok. Il y a me promener. Il ne faut pas dire, Charlotte, quel mental, quel manteau, je ne sais pas comment elle les appeler. Ceux-là, ils se sont mis quelque chose en tête. Ah, Montparnasse. Ah, mais il y a le métro ici, direct Montparnasse. Rue de Rennes. Ok, après, il y a dans les commentaires pour noter. Vous comprenez? Ils se sont mis quelque chose en tête que, même si vous allez dévoiler le livre là 10 000 fois, ils ne vont jamais vous croire. Parce que ils se sont mis quelque chose en tête. Ils se sont mis quelque chose en tête. Merci Caro Bailly, tu as compris. Ils se sont mis quelque chose en tête. Si vous voulez là, venez à l'épreuve. Venez à l'écrivaine elle-même. Venez avec lui qui a mis colle. Venez à lui qui a mis, comment on appelle, teinture des écritures. Venez à lui-même qui a fait le cahier. Ils ne vont pas vous écouter. Parce qu'ils se sont créés un truc de sorcellerie dans la tête. Ils se sont créés un clan de sorcellerie dans la tête. Vous ne pouvez pas enlever. C'est quelque chose qui est figé. C'est noté dans leur cerveau. Si tu les demandes, ils ont créé un clan pour détruire quelqu'un. Et ils sont fiers de ça. Bon, des gens, eux-mêmes qui disent qu'ils ont créé un bruit pour détruire quelqu'un, qu'ils sont fiers de ça. C'est les gens comme ça vous discutez. C'est les gens comme ça vous parlez. Vous ne les laissez pas dans les folies. C'est avec les gens comme ça vous parlez. Quelqu'un, même eux-mêmes, ils se disent qu'ils ont créé coalition pour détruire une seule personne. Ça ne vous dit rien. C'est les gens comme vous discutez. Et dit que Ralia, viens, je vais te faire la même coiffure, ma belle. Venez vous tresser dans mon salon. Je vous ai dit ça. Il y a des abonnés qui viennent là-bas se rendre belle. Vraiment, merci à tous les abonnés qui viennent me soutenir au salon là-bas. Vous êtes trop chou. Merci, merci, merci pour le soutien. Des gens, eux-mêmes, ils vous disent que ils ont créé fan club. Vous comprenez? On dit, ils ont créé, eux-mêmes, ils vous disent qu'ils ont créé coalition. Eux-mêmes, ils se sont donné un nom. Contre une seule personne. C'est les gens comme ça. Vous prenez votre temps à les répondre, à faire clash, à les calculer. À les... Mais vous-même là-haut, souvent si vous-même vous découragez. Hein. Quali, ange, merci. C'est les gens comme ça. Vous discutez. Il y a des